Bonjour. Hello. Alors, aujourd'hui, c'est atelier cuisine, biscuits sans sucre et sans farine. Tu peux nous en dire plus, David? Ah, c'est un vrai délire. Alors, voilà, on prépare avec les bananes. Après, il va y avoir les flocons d'avoine. Donc, bien faire attention avec ce qu'on prend comme ingrédients parce que on a vite fait de retrouver de l'huile de parme un peu partout, des colorants un peu partout. Du sucre caché un peu partout, donc hyper attention. Et le but c'est de faire quelque chose d'assez sain et que tout le monde puisse manger. C'est un véritable régal pour une trentaine de biscuits. Ça va vous coûter une vingtaine d'euros. Ça peut coûter même moins cher, mais il faut vraiment fouiner parce que c'est très très compliqué pour trouver des produits avec les prix qui sont devenu hyper élevé. Mais disons, voilà, c'est des biscuits qui sont sains, c'est très facile à préparer. Voilà. La cuisson, c'est 10-12 minutes. D'accord. C'est très simple. Donc, il n'y a que quelques ingrédients. Banane, chocolat, voilà, donc pépites de chocolat, cannelle, voilà. Un petit donc, peu la recette. De la banane, le flocon d'avoine, des pépites de chocolat, il y a de la cannelle, de la vanille en poudre et une petite pincée de sel. D'accord, on a hâte que la réunion de cet après-midi, 14h, que les personnes présentes se régalent. Exactement. Voilà. Bon, on vous dit à tout à l'heure. Pour la dégustation. Ça va, Nani? Oui, ça va, ça va. Alors, ça va, comment tu trouves la texture? Pâteuse, mais bon, on sent beaucoup la banane, la cannelle, le chocolat. Bon, maintenant, il y a juste au niveau gustatif, voir le résultat. Bon, c'est pas folichon au niveau de la texture, mais... Et au niveau de goût et de manger, je vous rassure, c'est hyper bon. Donc, on attend de voir. Donc maintenant, on va mettre en place. Donc là, on met des petites boules. On met des petites boules propres dedans et après on tasse pour faire un gâteau. Oh, Fatima! Ça va, Fatima? Parfait. Cool. On va faire des jolis biscuits très diététiques. Cool. Là, ils pourraient être délicieux avec de la banane. Oh, y a Nani. Sans sucre et sans farine. Sans sucre. Sans sucre rajouté parce que du sucre, il y en a dans la banane. Oui, et voilà. Oui, mais c'est du sucre naturel. Voilà. Voilà, on rajoute pas de sucre. Pas de sucre et pas de farine. Mmh. Sans sucre, sans farine. Venez déguster ça. Que c'est bon. Non, à partir de 14h. Ça sera bon à partir de 14h. Ouais, dégustation cet après-midi à La Réunion. Donc ceux qui viennent à La Réunion, ils vont se régaler. Allez, l'équipe s'agrandit. Hello Domi. Oui. Ça baigne. Oui. Bon, c'est cool, l'équipe a grandi. Ah, et là, on a la dégustation parce qu'il y a Fatima qui nous a amené un pudding. Un pudding. Qui est bien bon d'ailleurs. Bravo Fatima. C'est gentil, merci beaucoup. Allez, on est toujours. Là aussi, il y a du chocolat. Allez, on est toujours dans les biscuits. Ils en mettent partout du chocolat. Sans sucre rajouté et sans farine. Voilà. Là, il est vraiment dédié. On a pratiquement fini la mise en place, donc on met avec cuillère, fourchette, comme on veut. Et après, on fait quand même un petit gâteau présentable, pas très épais, 1 cm, ça suffit largement. Voilà, et ensuite, on met ça 10 minutes, 10-12 minutes à la cuisson à 180 degrés. Surtout, le four, il faut qu'il soit préchauffé. Hyper important, le préchauffage. Voilà. Et là, ça cartonne. Ouais. Alors, là, on a la critique gastronomique qui est arrivée. Les petits cookies au chocolat. Voilà, les biscuits sans farine, sans sucre rajouté. Et il n'y a pas de citron, donc Mathias, il peut en manger. Par contre, vous allez vous en mettre plein les doigts. Oh les gourmands! Alors? C'est super bon. Mais on sent bien le chocolat aussi. Voilà. Et, ah bon. Ouais. C'est très bon. Et la banane, normalement, elle s'échappe. Mais comme ça, tu me vois parce que c'est un petit peu. Il y a quoi? Mais justement, ça fait partie du jeu. Hein. Bonjour. Bonjour. Ici, c'est de Nathalie de cuisine. Donc, cuisine, et on fait que de la cuisson bizarre.
Des crêpes sans lait, sans œufs. Poudre de vanille. Et. Allez-y. Ah, mais c'est tous les mêmes ou non? Oui, non, non, là, ils sont pas cuits. Là, c'est cuit. Voilà. Ah, ok. Merci. Et pépites de chocolat. Voilà, donc là, le chocolat, pas de farine, pas de sucre rajouté. D'accord. J'ose pas toucher. Hein? Franchement, elle s'échappe, hein, la banane. Ça va. Ça va, hein? Tu n'aimes pas la banane? Non. Non, toi, regarde. Ah. Ça, c'est comme Mathias qui met pas les pains perdus. Mathias, il aime pas le pain perdu. J'y ai fait goûter le beignet de pain perdu, il a kiffé. Mais tu aimes la cannelle? Et tu dois aimer la noix de coco. Il est parti. J'en ai plus des grands. Il faut pas faire des. Bon. Alors, les impressions? Bravo, félicitations. Excellent. C'est dommage que ce charmant gâteau n'ait pas un nom. C'est là que j'ai goûté. Faut pas que les gâteaux soient un nom. Regarde. Ouais. Oui, mais ça fait... Ah, mais oui. Oui, non, c'est pas un vrai nom. C'est pas un vrai nom. Non. Il faut aller trouver un nom. Allez. Laura, dis-nous. Qui propose? Il y a que vous qui trouviez un nom original. Et Dominique est obligée de goûter et de manger du chocolat qu'elle aime pas tellement. Mais en plus, c'est du bon chocolat. Ouais. Pas du gras, c'est pas celui qui est au lait, c'est le vrai chocolat noir. Un pain de choc. Qui est tiré de la graine de cacao. Un pain de choc. Voilà. Banana choc. Allez, c'est trouvé. Allez, on rajoute. Validé. Allez, marqueur, on rajoute. Banana choc. Ben oui. Bravo. Vous pouvez déposer un brevet maintenant. Baba. Banana choc. Banana choc. Banane chocolat. Banane chocolat. Banana choc. Bravo. Ouais. Allez hop. Adopté. C'est banane choc. Normalement, ça doit être bon là. Allez, deuxième tournée. Ah, donc là, les gâteaux ont été baptisés donc les banane choc. Les banane chocolat sont en train d'être décollés. Délicatement. C'est mieux de le faire avec du papier sulfurisé, mais nous, le papier sulfurisé, il s'est effacé. On ne sait pas où il est. Il y a tous les calibres. Oh, Thierry, comment t'as trouvé? C'était bon? J'ai cassé. Attends, je vais reconsommer. Voilà, on a du plus petit, moyen au grand. Bon, les irréguliers, c'est moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Bon, allez, on est à la réunion préparation casoule, mais une réunion sans se mettre à croquer, c'est pas une réunion. Hein. Ça, c'est vrai. Hein, c'est pas vrai? Allez. Il y a ta carte vitale dans ton téléphone. Allez, on y va. Allez, passe à ton voyage. Et en même temps, on va faire la critique gastronomique. Dis.